Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Alors non, ce n'est pas un placement de produit ou je ne sais pas quoi, c'est juste une vidéo en fait les mecs pour vous annoncer un nouveau partenariat avec un site de maillot. Comme vous le savez tous sur la chaîne, il y a souvent eu un sponsor entre guillemets de maillot, puisque voilà, je kiffe vraiment plutôt bien ça, on va pas se mentir, regarde pour preuve. Voilà la preuve que je kiffe les maillots les amis, voilà, ça fait vraiment beaucoup de maillots, je vais pas te mentir. Bref. Et en fait, pour annoncer ce petit partenariat les amis, bah le site en question m'a envoyé des maillots que je vais déballer dans cette vidéo. Il y en a 6 spécial Coupe du Monde. Voilà, il y a certains maillots comme vous le savez tous qui ont été annoncés. L'équipe de France n'a pas encore dévoilé son maillot, mais certaines équipes ont décidé de déjà l'annoncer. Donc il y a 3 équipes sud-américaines et 3 équipes européennes. Et en plus de cette vidéo unboxing, l'équipe vous fait gagner un maillot de votre choix. Un petit concours donc sur Twitter. Le site partenaire c'est quoi? Bah c'est foot101.fr, un site que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Bah c'est d'une part de liker la vidéo. J'avoue ça fait un petit peu raccro, mais ça fait toujours plaisir, je vais pas te mentir. Et de suivre les instructions sur le tweet que je vous ai mis en lien dans la description et même dans les commentaires j'imagine. Bon c'est pas tout, on va peut-être commencer la vidéo les amis, écoutez on est parti. Vous savez quoi, on va faire un maillot sud-américain, un maillot européen, un maillot sud-américain, un maillot européen, bref tu m'as compris. Et on va commencer tout d'abord, si je te montre ça, t'as remarqué les couleurs blanc, bleu, forcément les amis hein, le maillot de l'Argentine. Alors le flocage, vous allez pas prendre 15 ans à deviner qui j'ai mis, puisque quand tu vois le numéro là, bah c'est numéro 10. Lionel Messi forcément. Alors voilà, je tiens à vous préciser, ce ne sont pas des maillots officiels hein, les amis, comme vous vous en doutez. Mais bon, quand tu vois que les maillots officiels parfois dépassent les 100€ et que tu vois des maillots répliques totalement identiques qui sont seulement à 20€, bah t'as vite fait ton choix. Après c'est mon avis hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok. Alors forcément, tu vois la matière elle est de bonne qualité hein, mais ce qui pêche un petit peu c'est le flocage. C'est vrai, je vais pas te mentir, au bout de nombreux lavages c'est possible qu'il commence à partir un petit peu. Mais bon, vous voyez les maillots que je vous ai montré avant les amis, bah voilà, tous les flocages sont restés totalement intact. Bref, on continue désormais avec un maillot bah, européen cette fois-ci. C'est très certainement un de mes préférés en tout cas qui a été révélé jusqu'ici par les équipementiers des équipes nationales tout simplement. Le maillot de la Mannschaft les amis, franchement je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment stylé. Le flocage, bah, je l'ai mis à un joueur que je kiffe énormément les amis, Julian Draxler, joueur du Paris Saint-Germain numéro 7, franchement. Je kiffe ce joueur. On repasse avec une équipe sud-américaine les amis, et cette fois-ci maillot jaune, tu penses à qui? Tu penses à la Colombie forcément. Et là encore franchement je le trouve sublime, je sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être que certains vont le trouver totalement immonde avec les sortes de reliefs rouges et bleus sur les côtés, mais moi franchement j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Alors je l'ai foqué forcément, James Rodriguez hein, le joueur un petit peu populaire de cette équipe. Bon comme tu l'as compris, maintenant on passe à un maillot européen forcément. Et désormais l'équipe de France forcément c'est l'équipe que tu soutiens le plus, mais il y a aussi la Belgique. Moi personnellement la Belgique les amis, j'aime beaucoup cette équipe. Et franchement le maillot bah pas mal également, avec des petits reliefs, avec des losanges aux couleurs de la Belgique justement. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu que c'est Damso qui allait faire l'hymne de la Belgique. Je sais pas ce que ça va donner, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et forcément je l'ai floqué bah Eden Hazard hein, c'est un petit peu le joueur phare de cette équipe. Bon pour l'avant-dernier on se redirige justement du côté de l'Amérique du Sud, avec cette fois-ci un maillot franchement que pas mal d'entre vous ignorent j'imagine, puisque voilà il a été révélé, mais c'est pas forcément l'équipe à laquelle tu penses directement. Le Mexique les amis. Alors voilà, c'est une équipe que j'aime franchement pas mal. Il y a des joueurs intéressants hein, dans cette équipe, comme notamment bah, Jürgen Damm, voilà le joueur qui joue dans l'équipe d'André Pierre Gignac au Mexique. Tu le connais très certainement pour la vitesse, hein, notamment dans FIFA et même dans la réalité. T'as peut-être vu des vidéos. Bah d'ailleurs j'ai fait un top 10 et il est apparu dedans. Le maillot, voilà, c'est pas forcément celui que je préfère, mais on va dire qu'il est plutôt clean. Et pour terminer cette vidéo, côté européen, les amis, on retrouve une équipe qui selon moi va aller très très loin durant cette Coupe du Monde 2018. Une équipe qui, je l'espère, ne sera pas adversaire de l'équipe de France. Enfin, on n'aura pas le choix si on va le plus loin possible, bien évidemment. L'Espagne, forcément l'Espagne. Alors je sais pas ce que vous en pensez encore une fois du design de ces maillots, mais franchement j'ai l'impression que les équipementiers cette année ou pour la Coupe du Monde 2018 ont décidé de faire un style rétro, voilà un style un petit peu à l'ancienne. Et pour le coup c'est plutôt réussi. Alors voilà, peut-être que certains vont pas du tout aimer ce style. Et forcément quand tu vois numéro 6, tu sais qui j'ai floqué hein, André Iniesta, joueur que j'ai kiffé énormément. Un joueur qui aurait mérité le ballon d'or dans sa carrière, malheureusement il ne l'a pas eu. Mais bref voilà, alors forcément j'espère que cette petite vidéo vous aura plu l'équipe hein, vous me direz en commentaire quel est le maillot que vous avez préféré parmi ces 6. Vous me direz le meilleur maillot sud-américain, le meilleur maillot européen. J'en ferai peut-être une autre de vidéo de ce type quand le maillot de l'équipe de France sera révélé. Alors bien sûr, c'est pour annoncer le partenariat avec mon nouveau site partenaire foot101.fr. Si vous êtes intéressé pour choper des maillots bah, comme ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas bah, à checker le lien dans la description. Vous avez mon coupon de réduction Lexity qui vous permet d'avoir 15% en moins sur votre commande. Donc franchement, c'est toujours ça à prendre. N'oubliez pas qu'il y a un petit concours sur Twitter à l'occasion justement de cette annonce de partenariat avec le site foot101.fr. Bref, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer l'équipe. Je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo. Ça fait vraiment super plaisir. Et donc écoutez, d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao, ciao.